regarde. C'est l'audit du Seigneur. Ah, c'est l'audit du Seigneur, c'est ça, hein. Ah. Elle est carbonisée, frérot. T'as vu la couleur, la couleur qu'elle a. Donc en fait, t'as vu, comme je te disais, ça c'est du covering. Ça veut dire que c'est de... C'est de plastique. Voilà, c'est comme un gros autocollant, en fait, tu vois. Que ça soit ça, mais que ça soit ça aussi, parce qu'à la base, la voiture, elle est grise. Ouais, en tout noir, je l'avais à un moment. Il y a des gens qui l'ont fait le montage sur internet, d'ailleurs, vous pouvez trouver la version tout noire. Ouais. Mais moi, à la base, je l'avais toute noire. Et en fait, par-dessus le noir, après, on a rajouté le bleu que tu vois là, tu vois. Donc ça veut dire, en fait, superposer les couches. Voilà, tu peux, même on peut remettre 10 couches par-dessus. Comment le décolle? En fait, non, c'est comme un autocollant. T'as vu, ça t'attrape un bout, bon, ça c'est le gars qui le fait, tu vois. Ouais. T'attrape un bout et tu tires, en fait. C'est un autocollant, le truc, tu vois. Ouais. Et voilà, donc en fait, tu vois, je t'explique vite fait. Donc cette voiture, ce qui a été fait dessus, donc premièrement la couleur, tu vois, comme tu peux le voir maintenant, tu vois, bleu, machin, etc., avec les petits détails bleus ici sur le diffuseur. La ligne d'échappement, donc qui est là, tu vois, tu le vois dedans, c'est les deux petits trous infernaux qui sont cachés à l'intérieur. Voilà. C'est ça qui fait le bruit qu'on entend dans l'auto. C'est ça qui fait le bruit qui nous casse la tête depuis tout à l'heure dans la voiture. Et surtout, la préparation du moteur. Donc aussi à la queue. Oui, il est plus agréable. Quand tu es dans l'auto, quand tu es à l'extérieur, pour les gens, quand tu fais du remue-ménage, gros, ils te maudissent. Quand tu passes la nuit dans les petites ruelles un peu sombres, les gens, ils doivent te détester. Le vent, il est incroyable, on entend encore, on dirait une ruche d'abeilles. Ah, mais c'est ça, moi, t'as vu, il y a des gens qui disent un nid d'abeilles, ça, on dirait un nid de frelons asiatiques sous stéroïdes. Ouais, comme elles sont grosses. Mais même si vous prenez la référence, ça fait de l'abeille de Wallace, c'est la plus grosse. Attends, regarde, ça fera peut-être une photo de couverture. Regarde-moi. Voilà. Putain, elle te va bien cette voiture, hein. Hein ? Elle est cramée comme toi, frère. T'as vu cette face avant, comme elle est agressive, comme elle est énervée. C'est un truc de fou, hein. La voiture, tu sens qu'elle a le... Moi, je dis qu'elle a le chétan. Ouais, c'est ça. C'est, tu vois, après, elle est rabaissée sur le côté, tu vois, comme elle est basse. Elle est posée sur les roues, en fait, t'as vu ? Les roues, elles rentrent dans la carrosserie, tu vois. Ici, là. Ah ouais, je le vois. Ouais, parce qu'on a changé les amortisseurs, du coup elle est beaucoup plus basse. Parce que ça lui donne un côté, tu sais, voiture de mec qui a une famille, c'est un mec qui veut déposer ses enfants à l'école, mais qui veut pas que ses enfants ils soient en retard à l'école, tu vois. C'est ça. Hein, c'est familial et mafieux, quoi.